Est-ce que nos chats nous prennent pour des animaux de compagnie? Eh, vous imaginez si on avait des pattes de T-Rex à la place des bras? Ce serait carrément galère. Si une histoire ne tient pas debout, est-ce qu'elle tiendra mieux assise? Puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu, est-ce qu'il peut y avoir un feu sans fumée? Les gens dans les films d'horreur, quand ils sont tout seuls chez eux et qu'ils entendent un bruit, ils demandent toujours s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'ils pensent vraiment que le tueur il va leur répondre? Oui oui, je suis dans la cuisine, tu veux un sandwich? Pourquoi quand on dit sans doute, c'est précisément quand il y a un doute? Pour couper le souffle, est-ce qu'il vaut mieux un couteau ou une hache? Bon, après ça dépend si on veut couper court. Est-ce qu'Instagram peut se peser en kilos? Alors c'est l'histoire d'une fille qui arrive dans le nord et d'un coup sa voiture n'avance plus. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrête pas de caler. Un végétarien peut-il avoir une faim de loup? Si je téléphone à une sardine, est-ce qu'il faut que je dise à l'eau ou à l'huile? Un couple de sourds peut-il bien s'entendre? Je suis sûre que même Wolverine, il a jamais réussi à attraper les peluches dans les machines, là. Est-ce qu'il faut que j'annonce à mon chien qu'il a été adopté ou pas? Est-ce qu'une mouche se mouche quand elle est enrhumée? Alors en fait, c'est l'histoire d'un schtroumpf qui court, qui court, qui court, qui tombe et qui se fait un bleu. Est-ce que les crabes pensent qu'on marche de travers? Quand une personne perd du poids, où est-ce qu'il va? Est-ce que vous avez déjà réellement donné un coup de pouce à quelqu'un? Non, parce que sinon la scène elle doit être vraiment très chelou quand même. Pourquoi est-ce qu'on remplace pas les télé-réalités par des bonnes séries? Si la vie n'a pas de sens, pourquoi dit-on qu'on doit aller de l'avant? Est-ce que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube? Eh bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye! Je trouve ça dommage. Quand les gens viennent me parler et qu'ils me disent « Ouais, moi j'ai cette idée-là, mais j'ai peur de me lancer », j'ai qu'une envie de dire, c'est « Bah vas-y, lance-toi, je sais pas, fais un truc. » Pour couper le souffle... Ah, le souffle. Comment tu veux attraper des trucs?